Nous remercions Dieu pour le courage de nous ce soir. Pour nous affronter, nous la lutte. Qui quand même nous voulait nous parler avec l'appareil d'État, avec les répressions, avec la police, avec SST, avec un parti, pas une institution dominée. Il n'y a pas une lutte facile. Mais moi, je disais, prochain gouvernement, dans l'intérêt de la population, pas dans l'intérêt de Navin, pas dans l'intérêt de Paul, dans l'intérêt de la population, prochain gouvernement prenant devant lui un vaste sentier, un sentier législatif, un sentier institutionnel et un sentier administratif pour nous capables de redonner le plaisir, le sourire à Ban Mauricien. C'est pourquoi priorité des priorités pour tout le monde qui compte dans ce pays. Priorité des priorités, c'est faire gouvernement MSM aller. Pour nous faire ça, mais seulement nous devons faire aller le plus vite possible. Parce qu'il peut vraiment finir ce pays-là. Et plus nous tarder pour faire aller, plus il est difficile pour redresser ce pays-là, comment orateur avant moi, India. Nous devons faire ce gouvernement MSM aller le plus tôt possible, mais dans le respect de nos constitutions, dans le respect de la loi. La constitution qui tchatcharam goulam, il laisse nous, c'est un grand quelque chose. Nous devons respecter sa constitution-là, mais nous devons sans lit. Que nous devons sans lit, améliorer aussi. Nous avons une énorme responsabilité. Nous tout qui là, dans le Parti travailliste, dans MMM, dans PMSD, et dans Mauricien en général. Nous avons une énorme responsabilité devant l'histoire de nos pays et devant la jeunesse de nos pays. 3 ans et 3 jours, pas loin des pays ici. Grâce à la compétence incroyable de MSM, nous avons gagné une marée noire qui finit envahir nous la côte. Wakashio, tu as la raison de faire référence à Wakashio. Aujourd'hui, ici même, une autre vague finit de vie. Une autre marée, ça ne va pas noir. Les rouges, les mauves, les blés. C'est un tsunami politique qui peut lever pour balayer sa gouvernement de voyous et mafias qui peut gouverner le pays. Au nom du Parti travailliste, moi aussi je vous remercie. Au nom de MMM, PMSD aussi. Remerciez tout qui est présent ici. Parce que c'est de la force qui va amener le changement qui vous a amené dans sa pays. Parce qu'il est trop grave. Nous, la case finit par du fait. Nous pays dans le précipice. Mauricien sur la vie est l'enfer, comme le trois camarades Indiaou. Gouvernement MSM, gouvernement mafia peut détruire tout ce qui vous finit construire depuis l'indépendance, vous peut détruire. Chaque gars étant du Val, si je m'en sens un jour, je vous détruire tout. Ça me peut arriver. Ça pose une question. Je vais rentrer dans l'âge. Nous acceptons. Hein? Moi, je fais Premier ministre puisqu'il a 14 ans. Je fais leader de l'opposition devant. 2014, il y a un camarade qui est dans le parti. Moi, je finis de dire, moi, pour retirer moi dans la politique, pour qu'on fait l'autre qui soit moi. Mais c'est moi qui appelle le rôle de l'amendement. Je tous les moudzons. Je viens arrêter moi. Fausse chose, honte chose. Et je ne fais l'appel. De là, je dis, madame, non, pas pour aller. Mais c'est la guerre. Parce que moi, je vous dis une affaire. Je ne vais pas beaucoup, je vous dis, 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 je vous dis,